Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Vlogs de Linda. Je vous emmène faire un tour à Jiffy dans la ville de Stain. On va voir ce qu'ils nous proposent aujourd'hui, ici à Jiffy. Juste à l'entrée, il y en a des jolis coussins en fausse fourrure. On a du jaune, un joli bleu foncé et du gris. Il y a aussi du rose normalement, l'autre jour je l'ai vu. Mais il reste plus. En tout cas, c'est de la fausse fourrure, c'est je pense 40 par 40 à 4,99€. Là, on a des jolis pots ici, des pots de fleurs en plusieurs couleurs à 1,99€. On a aussi cette forme-là, gris anthracite et blanc. 1,75€. Là, c'est 1,15€ pour ce modèle tressé. On a moutarde blanc, gris. Gris foncé comme ça. Et je pense qu'il y a aussi du noir. Voilà, ça donne ça. 1,15€. Pour finir avec les pots de fleurs, on a aussi ça. 2€, les plus grands en fait. Là, c'est des bacs à ustensiles rouge, blanc et noir en métal. Voilà, super sympa. 2,49€. Ah, c'est joli ça, vide décoration. C'est des tirelires en fait en céramique dorée, bleue et argentée à 2,69€. Mignon, hein? Le bleu est très joli, 2,69€. Là pour le ménage, on a des brosses ici vendues par 5 pièces, assez rigides, en plusieurs couleurs, 1,99€. Alors là, on a une étagère en métal noir, style industriel, 11€, deux niveaux, qu'on peut poser ou accrocher sur le souhait. Hein. Donc c'est pour poser dans, parce que si vous avez un petit coin sur le plan de travail, dans votre cuisine, salle de bain, bureau, pourquoi pas, 11€. Je vais voir les dimensions, parce que c'est important quand même, on sait jamais. Alors, 24 par 24 et 32 hauteur. Là, c'est des bacs de rangement avec couvercle ajouré. On a du gris et du noir, deux tailles, 5,61€ pour celui-ci. On a moins de 30, hein, c'était plus cher. Le grand, c'était plus cher aussi, ça passe à 13,64€. C'est un grand modèle, hein, quand même, qui fait... la largeur c'est 43,5, la profondeur 30, la hauteur c'est 29. Avec le couvercle aussi. Et c'est. On peut les superposer comme ça. C'est vraiment très joli et pratique. À 39,99€, on a cette desserte de cuisine en bambou. Elle est très jolie avec 4 roues. On a un tiroir ici. On a aussi une barre juste à côté pour accrocher les torchons, mais pas que. Donc par-dessus c'est du métal, hein. Donc c'est en inox. Cette desserte elle fait 48 par 85 de hauteur et 40 de profondeur de sur les côtés. Voilà. La largeur c'est 58. Le prix c'est ça. Nouveauté c'est des tapis ronds qu'on a à côté feutre et là c'est des poils pas très longs. 16€ le tapis. Voilà. Je vais voir en même temps les dimensions. C'est 80 cm. On a moutarde et beige. Ou top. 16€. Voilà, ça donne ça en fait. C'est joli hein, quand même. Là, on a des nouveautés aussi en coussin. Des coussins moumoutes. On a blanc cassé et gris. Ils font 60 par 60 à 5€. Là on voit pas bien parce que c'est recouvert d'un plastique et c'est très bien d'ailleurs. Il y a ce seau qui est disponible à 5,99€, 12 litres. On ne sait jamais si vous êtes intéressé. C'est bien de comparer les prix aussi, trouver moins cher, le moins cher. On a le seau gris ici avec le bec verseur et le saureur à 5,99€, 12 litres. Après je ne sais pas si elle mange aussi avec, c'est marqué seau... Et donc c'est marqué seau complet 12 litres gris. Après je sais pas si c'est avec ou pas. Avec le manche, je vais me renseigner. Alors ça c'est génial. Mais franchement c'est génial. C'est un porte-serviette électrique. Bien sûr faut faire attention quand même, hein, c'est dans la salle de bain. Mais franchement c'est génial pour faire sécher les serviettes. Dès que vous finissez de vous essuyer, vous l'accrochez hein, sur le porte-serviette. Électrique, donc il fait 53,5 cm, la hauteur c'est 91,
et la profondeur c'est 34-35 cm. Il est gris comme ça en métal. Donc on a le bouton ici on-off, juste en bas. Voilà. 55 euros. Ça c'est un arbre à chat à 39,99. On ne sait jamais si vous êtes intéressé. Il est assez grand quand même, hein. Il fait 54,5 par 139 de hauteur. Il y a aussi ce couchage cocooning, hein, pour les petits chatons ou les chats, qui fait 59 par 20 et 37 de profondeur. 13 euros. Donc les pieds sont réglables, c'est en bois et fausse fourrure. 13 euros. Effectivement, je me suis renseignée, en fait, c'est l'ensemble, en fait, c'est le manche, l'essoreur et le seau qui fait 12 litres à 5,99 €. On ne sait jamais si vous êtes intéressé, les choupinettes. Ça, c'est joli, ça, tiens. 12,50 €. Donc, il était à 25 euros, il passe à 50, moins de 50%. 12,50 €. C'est en métal et vert. Une sorte de lanterne. Ça, c'est un joli plateau de présentation. En plus, le fond est doré comme ça. Super sympa, c'est bois et vert à 11 euros. Il y a aussi du blanc, hein, si vous souhaitez. Là, on a une friteuse sans huile à 29,99 €, mais elle est petite, hein. C'est 1,5 litre, 26 par 21 cm. Donc c'est pour une fournée de frites. Voilà. Voilà la boîte de la marque Home Day. Donc elle fait 1000 watts, 1 litre et demi. Appareil popcorn, on sait jamais. Près à 3 minutes, 24,99 €. C'est un appareil à crêpes qui fait 30 cm de diamètre, 1400 watts, pour faire des crêpes sucrées ou salées, de la marque Cuisilux, 29,99 €. Alors là, c'est un appareil sous vide, de la marque Home Day aussi, pour mettre à sous vide de la viande, du poisson, des légumes, des fruits, mais pas que. C'est 21,08 €. Voilà. Elle est en promo, elle était plus chère, à 29,99 €. Pas mal de tours à épices ici, à 29 euros. C'est du bambou en fait, avec 16 pots en verre. Voilà. Il y a aussi ce rangement qui est vraiment joli, 15 euros, j'aime bien. Très joli pour les ustensiles, les couteaux. Mais pas que, hein, on peut l'utiliser dans la salle de bain également. J'aime bien, c'est fait 15 euros. Il y a aussi ça pour organiser sa cuisine, hein, si vous avez un coin vide sur le plan de travail, c'est pas mal, hein, pour poser des pots épices. En plus, il y a des crochets ici, 4 crochets ici en métal pour accrocher les tasses par exemple. Donc là, c'est métal et bambou. C'est une étagère qui fait 43 par 39 et 18 cm de hauteur, 3 niveaux à 25 euros. Sinon, on a tout vert comme ça si vous avez un style plutôt métal et vert. Donc là, c'est métal et vert, c'est le même prix et les mêmes dimensions. Voilà. C'est un support à épices ici, des petits pots d'épices, c'est un support en métal, 14 euros. Il y a pas mal de plateaux en fait en ardoise si vous êtes intéressé. Il y a qu'ici que j'ai vu en fait qu'il y avait plusieurs tailles, plusieurs formes. On a des rectangulaires, carrés, ronds, etc. Là c'est 2,75 € pour ce modèle qui fait 30 par 20. On a aussi donc celui-ci, je pense qu'il est carré, il fait 30 par 30 à 2 euros, pareil 75. On a aussi donc... là, je l'ai déjà montré, 30 par 20. 3 euros pour ce modèle. Voilà, qui fait combien? 30 par 30. Il y a aussi là, à l'eau de 2 pièces, 10 par 30, 3,25 €. Donc c'est long comme ça. On a des modèles ronds qui sont juste ici en bas. 3,25 € les 30 cm. Là, c'est 4,50 €. Les 40 par 30, c'est un grand rectangle comme ça. Voilà, voilà, pour les plateaux. Alors, si vous recherchez des verrines en verre, on a cette boîte en fait. Ce qui est bien, c'est que on a plusieurs formes en fait. Plusieurs formes, et c'est 10 euros l'ensemble. On a 24 pièces en fait. C'est vraiment très intéressant. On a 6 de chaque. Je vous montre un petit peu. Voilà, ça donne ça.
10,5 centilitres, 7,5 centilitres, 11 centilitres. Et là, c'est 6,5 centilitres. C'est 24 pièces. Voilà, c'est en verre. Et c'est 10 euros. Voilà, le petit tour à Jiffy est terminé. J'espère que ça vous a plu. Excellente journée à tous.